Eh bien, salut à toutes et à tous, c'est Crézip, et aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 6 de notre série Le Z. Attends vos choix, et directement, je commence un petit peu par vous montrer toutes les ventes que j'ai effectuées en achat-revente. Alors voilà, il faut savoir que j'ai pas attendu de pouvoir tourner l'épisode tout simplement pour mettre en vente ou pour racheter des joueurs, tout simplement parce que, comme vous l'avez constaté lors du dernier épisode, je vous avais proposé 4 équipes et il me fallait au moins 45 000, 50 000 crédits pour pouvoir me construire cette équipe. Donc vous voyez en haut à gauche que je n'ai plus de crédit. Et bien tout simplement parce que j'ai acheté tous les joueurs de l'équipe. Et donc bah voilà, dans cet épisode je vous montre juste tous les joueurs que j'ai vendus et à quel prix. Tout simplement voilà, parce que j'aurai pas assez de crédit pour vous tout simplement pour racheter des joueurs derrière. Donc il va falloir refaire quelques matchs et puis attendre que d'autres joueurs se vendent. Donc voilà, écoutez, on va directement montrer l'équipe que j'ai actuellement, l'équipe pour laquelle vous avez voté le plus, c'était l'équipe numéro 1, un mix BPL Ligue 1 France, voilà, on va dire, enfin non, mix BPL Ligue 1, donc voilà, franchement content que vous ayez choisi cette équipe, parce que c'est vrai que c'est une des deux que j'aimais le plus, avec El Shaarawy. Mais voilà, ça fait plaisir que vous ayez choisi cette équipe, et écoutez, on va directement se lancer le premier match de cet épisode, allez, à tout de suite. Allez, on est parti pour cet épisode 6 avec le tout premier match, avec cette toute nouvelle équipe. On va voir contre quoi on va tomber. 85 de général, 100 de collectif, une Bundesliga. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Oh mon dieu, du Robben, du Royce, du Lewandowski, du Gundogan, du Götze, du... mince, j'ai oublié le nom. Alaba, Hummels, Boateng, Philippe Lahm... Et Neuer au but. Mince, le MOC. Ah, vous allez m'en vouloir encore une fois, je me souviens plus de son nom. Bref, une très très grosse équipe, du boost, du très gros joueur. Aïe. Allez, on va chercher la victoire quand même, on se laisse pas décourager. Nous, on a Zlatan. On a Zlatan, third in form. Allez. Oh, bien joué. Oh, bonne récupération, Schürrle. Le centre pour la tête de Ramirez. Elle est au fond, pleine lucarne. Ramirez, bah voilà, écoutez, premier match. Premier but, fais-nous la mitraillette, c'est parfait. Voilà, 13ème minute, on ouvre le score face à cette énorme équipe de Bundesliga. Ah, ça fait plaisir. Un petit centre tête but, 1-0, le match est lancé. Si on doit la récupérer, on la récupérera. Voilà, il faut juste attendre la bonne, le bon moment. Valbuena, seul face au gardien, frappe du droit extérieur. Oh non, c'est la barre. Zlatan, qui c'est qui frappe? J'ai pas vu. C'est Lucas qui avait changé de côté et qui vient la mettre au fond. 2-0, 23ème minute. Fais-nous, je sais pas, fais-nous quoi. Voilà, le petit salto arrière, on le verra pas, c'est pas grave. Ah, oh, Valbuena qui avait trouvé la barre derrière Zlatan qui avait suivi, qui trouve le gardien. Et Lucas qui la met finalement au fond. 2-0, c'est bien. Allez, Lucas. Lucas, elle est pour toi la balle là. Elle est pour toi. Oh là là, je me fais retenir, c'est fou. Allez, Schürrle. C'est lui? C'est bien lui, c'est Schürrle. Ouais, j'ai du mal un petit peu à voir les noms. C'est vrai qu'il faudrait que je pense à afficher le nom des joueurs au-dessus. Parce que je pense pas que je l'ai fait sur ce compte. En tout cas, 27ème minute, 3-0. Franchement, je l'aurais pas cru en voyant l'équipe qu'a mon adversaire. Mais voilà, 3-0. Ça fait plaisir. En même pas 30 minutes, on va rester concentré et conserver ce score. Pourquoi pas l'aggraver, ce serait cool. Pour bien commencer cet épisode. Allez, la tête, il faut la prendre, il faut la prendre, il faut la prendre, c'est bon, c'est dégagé. La balle qui est toujours là, c'est bon, voilà, on va dégager tranquillement, on va pas prendre de risques. Allez, Zlatan, lâche-la, lâche-la pour Lucas. Lucas, tu te mets bien sur ton pied droit, frappe, but. Et voilà, Lucas, 42ème. Ah, franchement, cette équipe, alors pour le moment, elle me plaît, mais à merveille. Elle me plaît vraiment à merveille avec des joueurs comme ça sur les côtés. Ah, c'est sûr que ça change de la Lacazette. Hein. Voilà, comme je l'avais dit, la Lacazette, c'est pas forcément un joueur que j'apprécie sur fut. J'ai vraiment eu du mal avec. Mais un petit Lucas et Schürrle sur les côtés, ça change la vie. Et voilà, l'arbitre qui siffle à mi-temps. 4-0. Franchement, j'étouffe littéralement mon adversaire. Je l'empêche d'avancer, je l'empêche de se créer des occasions. J'en ai eu quelques-unes, moi, des occasions. Je les ai mises au fond. Ça fait plaisir, comme j'ai dit, ça change de Lacazette. Voilà, mon adversaire qui a frappé deux fois et une seule cadrée. Par contre, il a la possession, mais c'est pas grave. 4-0. Allez, on continue comme ça dans ce match et tout ira pour le mieux. Oh oui.
Oh oui, oh elle est belle. Oh cette action elle est belle, elle est terminée par le Marseillais Mathieu Valbuena, 52e minute, 5 buts à 0. Et là franchement, ça fait plaisir. Comment bien commencer un épisode? Ah, ça fait du bien. Ah, bien joué Lucas. Allez, il faut éliminer maintenant. Allez, frappe enchaînée! Oh là 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 là, c'était joli! C'était joli, petit festival de Lucas. Malheureusement, Neuer à la parade. Ah bah là, Zlatan, il la met. Ah bah oui! Bah ouais, mais Zlatan, face au but, qu'est-ce qu'il nous fait? Bah il la met au fond! Il la met au fond! Allez hop, tu glisses, tu te relèves, t'es content. Voilà, Zlatan Ibrahimovic qui marque le petit but, je pense, qui va conclure ce match. 86e minute, 6-0. Et voilà, écoutez, fin du match, 6-0 contre cette grosse équipe, ça fait plaisir et ça se voit quand même que je connais un peu plus de joueurs de cette équipe. Donc ça fait vraiment plaisir, un bon gros match de tout le monde là. Bah, deux buts de Lucas, un but de Zlatan, un but de Valbuena, un but de Ramirez, un but de Schürrle et bah, une passe décisive de des 4 joueurs à vocation offensive. Ça fait plaisir, 6-0, 583 crédits au niveau des stats. C'est totalement logique. Donc voilà, on commence bien cette division 7, si je ne me trompe pas, avec les 3 premiers points, en espérant que les prochains matchs vont suivre. Allez, on se retrouve pour le deuxième. Allez, on a notre adversaire pour ce deuxième match. Donc voilà, on va changer de maillot. Alors, il nous propose cette fois-ci, pas du 85 de général, s'il vous plaît, 82 de général, Nantes AS, 90 de collectif. Alors, c'est une... ouais, une petite hybride, avec beaucoup de joueurs de Liverpool. Un Thiago Silva en défenseur droit, avec aucun lien. Un Benzema avec deux liens rouges, un lien orange. Ouais, ce qui explique le 90 de collectif. Donc, bah écoutez, on se retrouve pour les meilleures actions de ce match. Allez. Allez, lâche-la pour Zlatan. Il est passé, Zlatan. Il est passé, Zlatan. Et ça fait 1-0. Il a été aidé du poteau. J'ai presque failli m'avancer en disant qu'il y avait déjà but. Attendez que j'ai vu derrière qu'il avait touché le poteau. Mais ça fait 1-0. Première action du match, 9e minute. Zlatan, il lui en faut pas 50. Il l'a mise directement au fond. 1-0. Allez, on continue. Oh là 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 là, monsieur l'arbitre rouge, c'est rouge. Ah oui, c'est rouge. Ah là, c'était sûr, la gros tacle par derrière. Et voilà, Sako qui se prend un rouge pour commencer le match. Ah, ça va être compliqué hein, pour mon adversaire là, avec un défenseur en moins. Allez, Schürrle, tu accélères, tu accélères, tu accélères. Si jamais l'adversaire il te rattrape, tu l'élimines. Il te rattrape pas, tu regardes Zlatan, il est resté en retrait. La frappe, la tête, pardon, et le but, 20e minute. Voilà, parfait Zlatan. Allez, fais-nous la petite danse du boule. Hop là, il est content. Qui c'est qu'il y a derrière? Il doit y avoir Matuidi et Ramirez. Voilà, ça fait plaisir. Bon là, ouais, c'est vrai que Zlatan, il est vraiment tout seul. Quoi. Il a fait un appel contre appel. Vas-y, je vais devant le but. Et non, au final, je reste en retrait. C'est parfait. 20e minute, 2-0. Allez, elle est bonne pour Valbuena. Elle est bonne pour Valbuena. Enroule. Et voilà, 3-0. Oh là 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 là. Et franchement... c'est un kiff total de jouer avec cette équipe pour le moment. Pour le moment, tout se passe pour le mieux. 3-0, 22e minute. On marque beaucoup défensivement. On tient, on empêche notre adversaire de se créer des occasions. Ah, voilà. Je suis vraiment, vraiment content que vous ayez choisi cette équipe parce que pour le moment, tout se passe bien. Et je pense que notre adversaire va Rashkit. On a fait 3 frappes cadrées, 3 buts. Qu'est-ce qu'il nous fait notre adversaire? Il nous fait une petite feinte de Rashkit, je pense. Allez, le corner de Valbuena, le corner de Valbuena, frappé au deuxième poteau, la tête de Koscielny. Koscielny, hop, qui vient nous mettre le quatrième but, 26e minute. C'était un festival de buts. Ah, ça fait du bien, ça fait du bien, ça fait plaisir. Ça me redonne vraiment le sourire et la patate là pour la suite. Allez, encore un corner. Il y a Zlatan là-haut. Il y a Zlatan là-haut. Eh bah oui. Eh bah oui, il y a Zlatan là-haut. 5-0, 30e minute. Oh là 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 là. Ah, vous allez en voir des buts. Hein. Ça en fait déjà 11 en même pas deux matchs. Parce que celui-ci, il n'est pas fini. Croyez-moi, il n'est pas fini. Sauf si notre adversaire Rashkit. Mais en tout cas, 11 buts pour le moment dans cet épisode. Ah bah, ça fait plaisir. Franchement, je sais pas quoi dire. Je sais pas quoi dire à part que pourvu que ça dure. Le festival de...
On s'excuse. On s'excuse. Oh, il est pas beau celui-ci. Il est pas beau en plus à la 45e. Dommage, un petit festival de Schürrle qui est contré par un de ses défenseurs. La balle qui revient dans les pieds de notre cher Zlatan. Et puis voilà, derrière, il a plus qu'à la mettre au fond. Il n'y a plus personne. Dans les buts, 6-0. Je pense que la mi-temps va bientôt être sifflée. Voilà, comme je venais de le dire, la mi-temps qui vient d'être sifflée, 6-0. Quadruplé d'Ibrahimovic, un but de Valbuena, un but de Koscielny. Alors c'est vrai que le carton rouge de Sonsako y est pour beaucoup avec ce score qui est pas sévère, parce que c'est vrai qu'il voit pas le jour, il a vraiment du mal à gérer sa défense. En plus de ça, il a pas le collectif de sang, donc c'est sûr que c'est compliqué pour lui. On a la grosse maîtrise du match, il a fait aucune frappe cadrée tout simplement, il a frappé que de loin. Et au final, bah voilà, 6-0. Mais je pense que c'est pas fini. Je pense que c'est pas fini ce match. On peut aller, on peut encore pousser le bouchon un peu plus loin. On va essayer de le faire Rashid pour garder un petit peu de forme, on va dire. Allez, deuxième mi-temps. Oh, elle est bien donnée cette balle pour Valbuena. Valbuena face au gardien. Il fait une grosse chiche. Et c'est le deuxième but du Marseillais dans ce match. 53e minute. Hop là, bien joué Valbuena. Voilà, la passe, elle est splendide encore une fois. Je vois Zlatan vers le haut qui fait un appel qui attire deux de ses défenseurs. Et puis Valbuena qui est laissé seul dans l'axe, qui profite du manque de son deuxième défenseur central et qui vient enfoncer le clou à 7-0. Oh là là, dommage, Zlatan qui avait fait un petit festival, c'est pas fini. Matuidi qui la récupère, le centre, la tête. Oh, encore une fois, arrêt de son gardien. Allez, en bas, il est parti. Il est parti, Schürrle. Schürrle. Il est passé, Schürrle. Finis-le. Finis-le. Schürrle. 90e minute. Allez, tu nous fais quoi? Bah voilà, c'est bien. Ah là 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 là, pour terminer en beauté ce match. Voilà, on termine avec un but de Schürrle. Voilà, un petit geste technique qui sert à rien. Derrière, on enroule pleine lucarne. Et ce qui porte le score à 8-0, tout simplement. Et le sifflet, le coup de sifflet final de l'arbitre. Bon voilà, doublé de Valbuena, quadruplé d'Ibra, un but de Koscielny, un but de Schürrle. Et je pense que tout ça, ça nous fait 8 buts. Et ouais, encore une fois, je le redis, mais c'est vrai que l'expulsion de Sako y est pour beaucoup à cette sévère correction. Pardon, avec 4 buts de Zlatan. Homme du match, Zlatan, 8-0, ça fait plaisir, ça fait du bien. Encore une fois, bah, il n'a pas frappé de la deuxième, tout simplement. On a bien géré défensivement. Et on l'a empêché tout simplement de se créer des occasions. Donc voilà, pour le moment, cet épisode se déroule vraiment très bien. 14 buts en 2 matchs. Les 6 points ont été acquis et maintenant on va se diriger vers le dernier match de cet épisode. Allez, à tout de suite. Allez, voici notre troisième et dernier adversaire pour cet épisode. Alors, on espère très franchement choper la troisième victoire de cet épisode. Pourquoi pas toujours conserver notre invincibilité, hein, ne pas se prendre de buts. Mais en tout cas, ouais, là, on tombe contre une belle équipe hybride. Oh là, ouais, une très belle équipe hybride. Par contre, il a mis Loïc Rémy en AG. En AG à la place de... Ouais, à la place de Benzema. Enfin, de Benzema, ouais. Bref, il a mis Rémy en AG alors qu'il est BU. C'est, je pense, une petite erreur de sa part, je pense. Par contre, il a Yaya Touré, j'ai cru voir Koscielny, alors en défenseur gauche, qui ça pourrait être? Peut-être Clichy, j'ai pas bien vu. En tout cas, on est parti pour ce troisième match, et on va aller chercher cette victoire. Allez, on est parti, c'est le contre, allez Schürrle, tu me lâches la balle pour Zlatan, Zlatan qui arrive à la récupérer. Oh, c'est pas beau, j'ai absolument pas fait de passe. Mais en tout cas, Valbuena qui vient la récupérer. Alors, je sais pas si c'est son défenseur qui, en taclant, m'a remis le ballon. Mais en tout cas, j'ai pas fait de passe, j'ai juste voulu frapper. Après, voilà, vous me connaissez, je suis pas non plus à vouloir faire des bons gros buts de raccro. Ouais, non, j'ai voulu juste frapper. Puis derrière, la balle qui a été redécalée sur Valbuena. Voilà, écoutez, 1-0, on est bien lancé dans ce match. Faire attention parce que quand même, il me pose un petit peu de problème défensivement. Allez, le corner de Valbuena sur la tête de Koscielny. Koscielny qui profite de l'erreur de son gardien. Malheureusement, ça passe à côté. Dommage. Allez, voilà, l'arbitre qui siffle à la mi-temps. 1-0, but de Valbuena. C'est dur quand même parce que j'ai un peu de mal à me créer des occasions. Mais au final, voilà, je suis quand même devant au niveau du score. Voilà, comme j'ai dit, j'ai du mal à me créer des occasions.
Il a beaucoup tenté de frappe de loin. Et en tout cas, il a la possession. Donc on va essayer de renverser la balance dans cette deuxième période. C'est bien donné pour Baines. Baines, il va trouver Zlatan au deuxième poteau. Et voilà, Zlatan, 64e minute. Tu nous fais la célébration du débile. C'est parfait, 64e minute. Zlatan enfonce le clou. Et Zlatan, tu vas faire quoi? Voilà, tu vas vouloir aller agresser l'entraîneur adverse ou le tien. Je sais pas. On sait pas. Hein, Zlatan, c'est vrai qu'il veut, il peut s'en prendre à n'importe qui. Il s'en fout. C'est un fou, lui, dans sa vie. Et voilà, 2-0, je me sens un peu mieux parce que c'est vrai que c'était un petit peu compliqué. Mon adversaire qui va faire des changements. Alors on va juste rester ensemble pour voir qui nous fait sortir. Il nous fait sortir Thiago pour Alexandre Pato. Alors attention parce que Pato il peut être dangereux quand même, on le sait. Allez. Ah non, 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 fallait pas la perdre. Fallait pas la perdre. Attention gardien, il faut être dessus. Il faut être dessus. Isco 69e qui réduit le score. Bah voilà, on s'est pris un but. Alors là, c'est grosse erreur de ma part. J'ai voulu tenter un dribble pour éliminer deux adversaires. Au début de l'action, je perds le ballon. Et puis derrière, voilà, il donne une bonne balle pour Isco. Qui la met au fond. Attention, attention, 2-1. Il est parti, Valbuena. Il résiste à Dante. Ou quelle est la balle? Allez! Allez! Oh non, qu'est-ce que c'était que ça? C'était qui? C'était Valbuena en plus, je crois. Ah, il me semble que c'est... Ouais, c'est Valbuena. Ah, c'est dommage. Il essaie de la piquer, il l'avait mis en pleine lucarne. Malheureusement, son gardien vient l'arrêter. Attention, il est passé par au-dessus, Benzema. Et Benzema qui la met au fond. Non, 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 je suis dégoûté, franchement. Aïe, 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 aïe. Quelle désillusion, franchement, là. Oh, je suis dégoûté. Je suis dégoûté, j'ai quasiment toutes les occasions de la deuxième et c'est lui qui marque deux buts. Allez, il nous reste 10 minutes pour relever la tête et en marquer le but qui nous permettrait d'avoir les 3 points. Il fait rentrer Modric à la place de Touré. Allez, les gars. Non, qu'est-ce que tu fais? Oh, mais Lucas, sérieux, c'est quoi cette touche? Bon, bah écoutez, franchement, ça s'entend, je pense, à ma voix. Je suis vraiment dégoûté de ce match. Je dis pas que c'était l'adversaire le moins bon, mais des 3 matchs que j'ai fait. Mais franchement, celui-ci... Voilà, je suis vraiment dégoûté, je devais le gagner, je devais le gagner en deuxième période. Bah, il a fait deux frappes, hein, je crois, il a... Ouais, enfin, vous allez me dire, c'est vrai qu'au niveau des stats, c'est équilibré. Mais voilà, personnellement, j'avais l'impression d'avoir quand même dominé ce match. On va pas se plaindre, on n'a pas perdu, on a quand même remporté deux matchs sur les trois et puis un match nul. Allez, on va pas se plaindre. On termine cet épisode quand même avec un petit point négatif. Hein. Franchement, je suis un petit peu dégoûté de ce match. On tire le trait là-dessus et on se concentre pour les prochains matchs qui vont venir dans cette série. Donc voilà, écoutez, maintenant, on va passer à l'habituel débrief de fin de vidéo. Allez, à tout de suite. Bon, juste avant le débrief, je viens de me souvenir que Baye nous avait encore une fois donné des packs non revendables. Pour s'excuser, on va dire, du marché des transferts qui merde. Donc on va les ouvrir rapidement avant de passer au débrief. Voilà, on va tout faire d'un seul coup. On va pas couper ou quoi que ce soit. On va passer et on obtient, bah voilà, Benzema et Xabi Alonso. Deux joueurs à 85 de général. Un petit pack gratuit, bah voilà, on ira le faire, enfin l'ouvrir, pardon, juste après. Sinon le reste... On s'en fout un petit peu, donc voilà, Benzema qui m'a bien gonflé lors du précédent match. Alors on va ouvrir le pack où on ne peut pas revendre tout de suite. Ah, c'est vrai que c'est dommage, hein, parce qu'un petit Benzema, ça se revend quand même un petit peu. Et puis derrière, derrière, il n'y a rien d'intéressant. Des contrats or rares, ça par contre je dis pas non. On va ouvrir le troisième et dernier pack, et puis on passera derrière au débrief de cet épisode. Allez, pack or, un seul joueur rare. Est-ce qu'on va pouvoir choper Zlatan dans ce joueur rare? Ce serait quand même marrant. Eh ben non, mais par contre, on a trouvé ouais, Rodriguez, voilà, après Marquinhos, tout ça. Je m'en servirai pas, donc bah écoutez, on va se retrouver directement, cette fois-ci, pour le débrief de cette fin d'épisode. Allez, à tout de suite.
Et bien voilà, cette fois-ci on se retrouve pour l'habituel débrief de fin de vidéo. Alors un épisode qui s'est terminé quand même avec, comme j'ai dit, un point négatif. Le point du match nul, alors que je pensais et j'aurais préféré bien entendu obtenir les 3 points. Malheureusement, bah voilà, mon adversaire qui est revenu au score. Et puis derrière, bah voilà, j'ai essayé à tout prix de marquer un but qui n'est tout simplement pas arrivé. Donc voilà, petit match nul qui me reste un petit peu en travers de la gorge, on va dire. Mais sinon, pour les deux premiers matchs, on s'en est vraiment très très bien sorti. J'ai empêché mon adversaire de se créer des occasions. Donc forcément, ça devient plus difficile de se prendre des buts. Et puis voilà, devant, bah, je m'en suis plutôt bien sorti avec mon trio d'attaquants qui s'en est vraiment bien tiré. Donc voilà, bah écoutez, pour cet épisode, pas de sondage, tout simplement parce que voilà, j'ai quasiment plus beaucoup de crédits. En plus de ça, je viens tout juste de faire cette équipe, donc on va encore un petit peu continuer avec cette équipe et avec ces joueurs, et puis on verra par la suite si des modifications s'imposent. Donc voilà, j'espère que cet épisode 6 de la série Le Z attend vos choix vous aura plu, et puis moi je vous dis à la prochaine, ciao tout le monde.